retourner, tu m'as gravé le disque en mangeant, c'est l'écrit. Je rentre là. Oh, en effet. Je compte sur les professeurs qui sont présents. S'il y a des gens qui ne comprennent pas, pour établir. Est-ce que vous parlez français? Oui. 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 Je vais lire lentement. Si vous ne comprenez pas, vous levez la main et vous dites. Je vais lire lentement. Alors moi je m'appelle Alex. Alors on commence l'histoire, regardez. Qu'est-ce que c'est cet ami-là? C'est un loup. Et le loup est de la couleur verte. Il était une fois un loup vert, aussi vert qu'une belle pomme verte. Il s'appelait Raoul. D'accord? Moi je m'appelle Alex, et lui je t'appelle Raoul. Un jour, Raoul arrive dans la forêt des loups gris. Or, ce jour-là, les loups gris jouaient au foot. Comme Raoul adore le foot, il s'approche et il dit « Salut les potes, ça bouge ?» Les loups gris s'arrêtent de jouer et se tournent vers Raoul. C'est Raoul, le loup vert. Et ça, ce sont les loups gris. L'un d'entre eux commence à rire. Vert, un loup vert. Mais ce n'est pas une couleur pour un loup. Il bombe le torse et il vit encore. Il rit. Voilà la seule couleur digne d'un loup. Vous savez ce que ça veut dire? Si vous ne comprenez pas, vous devez bien montrer les restes. Non, on parle du verre, qui s'appelle un autre. Mais vert, c'est ma couleur, dit Raoul. Gris répond, on sait pas, c'est le gris. Eh bien, change de couleur. Les autres Raoul court jusqu'à la ville et il entre dans une boutique de vêtements. La marchande lui demande « Vous désirez ?» Raoul répond « Des habits, s'il vous plaît. » Qu'est-ce que c'est des habits? Des vêtements, ça, des habits. Regardez, Raoul le loup vert est entré dans un magasin pour acheter des vêtements, des habits.
La marchande propose du vert, peut-être, pour aller avec la couleur de votre visage. Raoul s'écrie. Ah non, pas de vert. Plus de vert. Je veux du gris. Du beau gris, s'il vous plaît. Et c'est ainsi que Raoul s'en retourne dans la forêt, gris de la pièce de la tête aux pieds. Regardez. Raoul a mis des vêtements gris. Il s'est habillé avec des vêtements gris. Un bonnet, un jogging, des chaussettes. Des chaussettes grises, bon, si j'ai des chaussettes grises. Des baskets, il porte même un masque gris. Quand il arrive, les loups gris jouent à la course. Justement, Raoul adore la course. Regardez, ils sont en train de courir, les loups gris. Il dit, bonjour les amis, ça va? Les loups gris cessent de courir, ils s'arrêtent. L'un d'eux remarque la queue, la longue queue de Raoul. Il murmure, c'est bizarre, un loup gris a la queue verte. Regardez, les loups gris ont vu que Raoul a une queue verte. Ils l'ont découvert, ils l'ont démasqué. Au même instant, Raoul pense, zut, j'ai oublié d'habiller ma queue. Alors, en s'enfuyant, Raoul entend les ricanements des loups gris qui se tapent sur lui. Quand le feu est refroidi et que les cendres sont bien grises, Raoul s'en couvre le corps tout entier sans oublier sa longue queue verte. Vous avez vu, Raoul a pris les cendres du feu et il a mis partout sur son corps. Et sur le corps. Mais regardez, Raoul est si content de lui qu'il sifflote tout le long du chemin, menant chez les loups gris. Il réfléchit, que vais-je leur dire? Mais soudain, un orage éclate. Qu'est-ce que c'est l'orage? L'orage, c'est quand il y a de l'eau qui tombe au ciel, de la pluie. Regardez ce qui se passe. Aïe, aïe, aïe. Raoul, le loup vert, en fait, perd toutes les cendres qui le recouvrent. Raoul, lui, est si pressé qu'il poursuit sa route. Il court pour arriver plus vite, mais la pluie tombe si fort qu'elle emporte ses cendres vives. Et Raoul est de nouveau vert. Bientôt, Raoul se retrouve plus vert que jamais. Aussi vert qu'une belle pomme verte, sous la pluie. Il répond, puisque c'est ainsi, employons les grands moyens. Et il retourne à la ville. Il retourne dans un magasin pour acheter de la peinture. Regardez, ça c'est de la peinture. Il prend de la peinture et la semelle de la peinture dans la bouche. Raoul se couvre de peinture. Il en met partout. Sur la tête, sur les oreilles, sur les pieds, sur le derrière, sur le dos, sans oublier la couleur bien naturellement chaud. Sous sa couche de peinture, regardez, il a chaud. Il a mis de la peinture partout et maintenant, le soleil est chaud. Il transpire. Il commence à étouffer. Ouvrant tout grand une large gueule pour tenter de mieux respirer. Rien qu'à voir Raoul se trémousser en se tenant la gorge, elle comprend tout de suite. Elle lève sa baguette magique et kip, hop, hop, et délivre Raoul de sa carapace grise. Puis la fée demande, as-tu encore besoin de mes services? Et Raoul gémit. Gris, je veux être gris. Regardez, Raoul demande à la fée, je veux être gris. Je veux pas être vert, je veux être gris. La fée lève de nouveau sa baguette. Et Raoul devient poisson. Raoul est devenu un poisson. Où est le loup? Il n'y a plus de loup. Il s'est transformé en poisson. Et il ne part pas.
Ah, ok, il a fait un loup gris. Mais moi, ça ne me plaît pas d'être un poisson. Alors la fée essaye encore une fois. Et la gêne sa bagasse. Et Raoul devient un oiseau. Ça va pas, c'est pas un oiseau. Il veut être un loup. Ça s'est encore trompé. Un merveilleux oiseau aux mille couleurs. Regardez, il y a toutes les couleurs. Jaune, vert, violet, bleu. Oh, zut, il a fait. Bon, un oiseau, c'est agréable, ça vole, ça traverse le ciel, c'est libre. Mais Raoul n'est pas content. Raoul semble une sorte comme ça. Il dit, je veux être un loup gris, je veux être gris. La fée agite encore sa baguette. Et Raoul redevient un loup. Mais un loup vert. La fée soupire. Excuse-moi, je ne suis pas très douée comme fée. Moi, j'aurais préféré être danseuse d'opéra. Raoul dit en reniflant. Je te trouve très bien comme fée. Vraiment, je demande la fée. Vraiment, répond Raoul. La fée dit. Eh bien, moi, je te trouve très bien, mon loup vert. Et qu'est-ce que tu voulais devenir déjà? Et Raoul a réfléchi. Non, finalement, je ne veux pas devenir un loup. Je veux rester comme ça. Comme tu voudras. Bon courage et bonne chance. La fée disparaît et Raoul court à toute vitesse chez les loups gris. Il joue à cache-cache. Vous savez ce que c'est cache-cache? C'est le jeu préféré de Raoul. Regardez, Raoul aussi se cache derrière un arbre. Il va se cacher. Alors, il s'avance au milieu des loups gris et il dit « Salut, c'est moi, c'est Raoul !» Et avant que les loups gris ne disent qu'un seul mot, Raoul ajoute « Oui, je suis le loup vert, je suis tout vert !» Et après, qu'est-ce que ça peut faire? Et donc finalement, Raoul le loup vert est resté un loup vert. Bon, et maintenant, avec l'aide de l'Arménien, est-ce qu'ils ont compris l'histoire? Est-ce que vous avez compris qu'est-ce que c'est un loup vert? Est-ce que son loup vert a réussi à changer la couleur? Et à la fin de l'histoire, est-ce qu'il est triste alors? Non. Non, pourquoi? Parce que c'est pas grave, parce que finalement, il s'apprécie comme il est. Merci de votre attention, merci les enfants. Bonne chance dans votre apprentissage du français. Travaillez bien, étudiez bien le français. Moi j'essaierai d'étudier un peu l'arménien. Voilà. C'est pas si on peut être en train de faire des choses. Non.